Salut à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qu'on peut faire à la Saint-Valentin à Disneyland Paris. C'est la première fois pour nous. On est venu un nombre incalculable de fois, mais jamais à la Saint-Valentin. Non, c'est vrai. Donc voilà, petite différence déjà. J'ai l'impression qu'il y a Mickey et Minnie derrière. Déjà, on est bien accueillis ce matin. Enfin, ça fait. En fait, ils sont revenus là. Oui, ouais. Voilà, ça fait deux fois qu'ils sont là. Donc petite différence dans leur costume traditionnel. Ils sont beaux. Hein. Exactement. En même temps, de vous montrer ce qu'il y a pour la Saint-Valentin sur le parc. En même temps, on découvre un peu la symphonie des couleurs. On a commencé à la découvrir hier, mais on va continuer de la découvrir aujourd'hui. C'est pas mal. Non, oui, j'aime bien. Bon, et c'est parti. C'est trop mignon. Une petite clé pour la Saint-Valentin. C'est spécial Saint-Valentin ça ? Bah il y a écrit. Incroyable. Franchement je trouve ça trop mignon. Et toi ? Ouais c'est joli, c'est bien. Et moi j'aime bien. C'est en verre ou en plastique ? C'est soufflé, regarde. C'est la dame. Ah oui, soufflé votre clé. Moi j'adore. C'est fait derrière, voilà, en arrière-plan, vous voyez. C'est fait, non ? Par contre peut-être un petit peu cher. Ouais, 29 euros. Voilà pour l'instant ce qu'il y a. Ouais, mais c'est trop mignon. Ouais. T'as miné, regarde. Je sais pas si c'est pour la Saint-Valentin, mais ils sont mignons. Ouais, ils sont pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Dans leur petite bulle. Et puis là, vous voyez, ils ont mis plusieurs clés. Voilà. Bon, dommage pour nous, on n'aime pas le champagne. Ouais, mais voilà, vous pouvez prendre une coupe de champagne. Ça vaut combien ? T'as le panneau sur le côté. Donc, 20 euros. Une flûte de champagne. C'est dommage parce que ça donne envie, mais ouais. Je vais pas boire. Mais après, c'est sympa qu'ils aient fait ça quand même. Ouais. Tu vois. Bah, ça anime, je trouve. Donc avec un système de queue, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, forcément. Ouais. Bah, dès le matin. Donc c'est au niveau de la boutique de glace Ben & Jerry, là. Enfin, Gibson Girl. Donc là, il y a des pins, entre guillemets, Saint-Valentin, mais qui sont sortis depuis le 3 février. Ouais, c'est attention. Ça. Donc, ils sont très jolis. Vous voyez, il y a un peu tout, là, il y a Stitch. Ceux-là, non. Be My Valentine. Ceux-là, ils n'étaient pas. Ceux-là, ils étaient sortis encore. Ouais. Mais les quatre premiers, oui. À mon avis, ils doivent le sortir tous les ans. Et il y a Winnie l'ourson en bas. Ah oui, il est mignon celui-là. Très mignon. Ouais. Bah, ils sont jolis, pas. C'est-à-dire ce qui est. C'est vrai. Ils sont très jolis, là, celui de Mickey et Minnie. Ce qui est dommage, c'est que nous, on n'aime pas Stitch, donc. Ouais, nous, de toute façon, on ne va pas en prendre. Ouais, parce que là, par exemple, il y a Lilo et Stitch. Voilà pour l'instant, rien de fifou. De toute façon, c'est Disney, hein, la Saint-Valentin. Ouais, c'est pas leur truc. Voilà. Bon, on continue notre recherche. Bon, là, du coup, on a fait Main Street, donc ça a été vite vu. Il y avait littéralement rien. En gros, hormis les coupes de champagne et. Et les pins, mais bon. Et Mickey et Minnie, ils ont resté un peu plus longtemps. Voilà. Sinon. Pardon. Et sinon, on a vu qu'il y avait quelque chose de Newport. Oui. Au bar, au Captain Quarters du Newport, un petit entremets. Ça en a l'air de cœur. Et un cocktail. Donc, on va essayer d'aller voir ça en fin d'après-midi, parce qu'on va pas partir trop tard du parc. Et on espère qu'il en restera. Ça serait pour bien. Pour pouvoir vous goûter tout ça. Bah oui, ouais. Là, du coup, vu que ça a été vite vu à Main Street, on va aller fouiner dans Fantasyland. On se dit que peut-être. Oui, peut-être. De toute façon, on va faire à Frontierland, il n'y a rien. Non. Voilà. Et puis après, on va aller manger au Agrabah. Oui. Peut-être qu'il y aura quelque chose au Agrabah. Peut-être, on ne sait jamais. Bon, allez. Donc là, nouvelle collection. Ratatouille et la petite sirène. Donc Valet, là ça c'est des biscuits au caramel beurre salé. Ah oui. T'as déjà regardé. J'avais regardé hier. Malheureusement on n'a pas à quoi ça ressemble. Hein. On sait pas. Voilà, c'est le petit biscuit. Ça va être en forme de Tour Eiffel, t'es. Certainement. Normalement. De la confiture de fraises. Ratatouille. Spécial ratatouille. Ça c'est du thé. La recette de Rémi. Ah, thé noir. Combien saveur fruits rouges. 15 euros. 15 euros. La confiture, elle est à. Il n'y a pas le prix. Je ne sais plus combien j'avais vu hier. Et là, c'est quoi ça ? La petite sirène. Ah oui, donc il y a la petite sirène aussi. Ah, bah, t'as un ça thé aussi. Du thé aussi. On va voir, c'est quoi ? Ingrédients : thé vert, jasmin, thé noir. Combien ? Pomme séchée. Oh, j'ai une envie celui-là. Il y a 18. Ah oui, quand même. Oh, celui-là, il me donne envie. Ah ouais ? Ouais.
Et du coup, une boîte de... De biscuits. Boîte de sablés. Tiens, on voit la forme un peu. Disney et les sablés, c'est toute une histoire. Donc en gros, bah, y a quoi sur... Il y a Mickey. Mickey, plutôt. Ouais, en fait, c'est juste Daisy. La boîte qui est la petite sirène. Ouais. Ok, sablé pur beurre. 13. Ok. Et attends, voilà. Il y en a un aussi. Regarde. Celui-là. Mais non, c'est le même thé qu'au-dessus. Non, ah oui, c'est non, pas le même. Oui, en gros, et donc il y a du thé aussi, la petite sirène. Là, c'est thé vert gingembre, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même parfum. L'étude de mer. Ok. Ah, ils ont vraiment fait le thé vraiment pour la petite sirène. Incroyable. Ah. Sous l'océan. On aurait acheté les boîtes. Voilà. Alors, on est la Saint-Valentin, mais on vous montre ça. Bah, après, c'est, on va aussi vous parler de la symphonie des couleurs. On est là pour un peu tout ça, quoi. Bah oui. Bon, bah allez, on continue. Bon, bah voilà, le tour de Fantasyland a été réglé. Au moins, c'est bien, c'est rapide. Hein. Ah, bah, c'est ça. Bon, bah il n'y avait pas, bah hormis voilà la nouvelle collection, comme on vous a montré. Oui, chez de Rémi, de biscuits, la petite sirène. Rémi, la petite sirène. Mmh. Tout ça, il n'y avait rien de, non. Rien de fifou. On a demandé de toute façon. Donc, ouais, on a demandé. On est même allé au Bélanoté. Rien. Mais cela dit, voilà. Il nous a dit qu'il y aura plus de chances de trouver peut-être sur les buffets à table. Oui, et on va au Hagrid. Donc, il y a certaines attractions qui peuvent, entre guillemets, un peu romantiques, si on peut dire, à faire à deux. Par exemple, le pays des contes de fées, donc les barques, là, c'est ça, sympa. Ça, c'est mignon, ouais. Et les aussi tasses. Les tasses, voilà. Bon, et ben là, on va se diriger vers le Agrabah en espérant voir quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin. Croise les doigts. Voilà. Allez. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Donc là, du coup, il y a quand même des trucs pour la Saint-Valentin, notamment les princesses. Voilà, les rencontres de personnages qui sont en couple. Puisqu'il y a Mary Poppins avec. Avec le monsieur. Voilà. Et du coup, il y a Ariel et son Ariel prince. Et le prince Eric ouais. Qui est juste derrière. Donc là, ils sont en pause. Ça devrait venir. Bon, il y a Gepetto et Pinocchio à côté. Oui, on a vu apparemment Jasmine et Aladdin. Oui, ouais. Jasmine et Aladdin. On est, quand on est passé, ils n'étaient plus là, bien chance. Évidemment. Vous savez, ça c'est. C'est tout le temps comme ça. J'ai vu, c'est comme ça. Nous, on n'a vraiment pas de bol là-dessus. Il y avait Donald et Daisy ensemble. Donald et Daisy. Donc ils essayent, vous voyez, voilà, de fuir quand même les personnages ensemble. Et mention quand même, les cast members à chaque fois nous disent joyeuse Saint-Valentin. C'est vrai, c'est vrai. Petite attention, pas négligeable. Et puis après, ça sera bientôt l'heure du spectacle. Ouais. De symphonie. Ça va être annulé avec le temps. Ouais, c'est pas très bon. Heureusement, on l'a vu hier. Oui, oui. Voilà. Et on a des images. Donc, vous, ouais. Quoi qu'il arrive, vous aurez des images. Ah, de voir, hein. Ah, bah là, lui, c'est pas un Jedi. Hein. C'est lui qui l'a remballé quelqu'un, je crois. Dis-le, ça. Hein, de quoi ? C'est la France, c'est ça. Non, c'est après, il a remballé quelqu'un. Ah bon ? Donc ce soir, on est de passage au Victoria. Bon, bien évidemment, on a mangé tôt. Oui. On a mangé très tôt, exprès. Pour tester, parce qu'on ne l'a pas encore testé. Non. C'est pâtisserie. Donc, pâtisserie qui est assez balèze quand même, hein, comme le gâteau de Aurore. Mais il a l'air super beau, quoi. Donc, Et puis le parfum, moi je sais que... Ouais, on va prendre que ça. Hein. Ouais, je sais pas si on le finit, hein, mais... si. Ah et du coup, là, on a la meilleure place. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir avoir un peu le show, normalement. Ouais, c'est ça. On est si ils se mettent pas devant, les gens. Vous voyez, face... face au château, hein. Ouais. Voilà, ici, hop là. Et il y avait quasiment personne. Hein. Bah, il n'y avait pas de file d'attente pour une fois, à l'extérieur. Donc voilà. Et concernant les Magic Sots, parce qu'il y en avait deux de prévus. On les a cherchés partout, on ne les trouvait pas. Exactement, depuis ce matin, on se disait c'est bizarre et tout. Un studio, un sur Main Street. Bah, en fait, ils ont été annulés dès le matin à cause de la météo, comme vous avez vu. Bah, là, il fait bon. Meilleur, mais c'est vrai que ce matin, il pleuvait. Bah, même en sortant de Agrabah, il pleuvait bah, encore. Aussi, ouais. Donc du coup, et là, vous voyez, on est en... milieu fin d'après-midi et je pense pas qu'ils vont revenir. Non, bah, le temps n'est pas toujours ouais, pas terrible. Hein. Bah, surtout que si ouais, là il est 15h, si depuis ce matin ils y sont pas, ils vont pas revenir. Non, ça va être rien. Donc là on a reçu le chocolat liégeois avec une montagne. Et il est bien fait aujourd'hui. Hein. Gentil. Il y a du sucre dessus, j'avais même fait attention qu'il y en avait. Excellent. Alors, bon, moi j'adore la chantilly, donc. C'est servi. Hein. Et le fameux gâteau. Il est magnifique. Il est très joli. Très fan du décor.
T'as des petits glands, t'en as un là, t'as des papillons, petite coccinelle, champignons, et t'as vu, pour faire de la mousse, c'est vraiment moelleux en plus. Hein. Exactement. C'est énorme. Et du coup, il est moins gros que celui d'Aurore. Ouais, mais tant mieux. Pas énormément moins gros. Non, mais si tu divises en deux, ça fait un bon deux parts, donc c'est bien. Là, ouais, je dirais, il doit faire un quart de moins que celui d'Aurore. Alors que celui d'Aurore, c'était vraiment pour trois personnes. Ouais, facile, quatre. Hein. Ouais. Enfin, ouais. Là, là, si tu manges à trois dessus, ça fait des petites parts. Oui, ouais. Voilà. Il est beau, hein. Ouais, très joli. Donc, on a demandé des verres d'eau avec. On va faire glisser le tout. Ça fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Oui, je sais pas si on dirait un truc de... Bah si, ouais. Symphonie des couleurs, les fées, vu que t'en as dans Main Street. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Eh oui, j'ai l'œil, tu vois. Bien joué. T'as la cabane aussi des fées, je crois, à un moment donné. Ouais. Bon, et ben, on va manger tout ça. Hein. Mais attends. Donc, là, vous voyez, on a déjà... moi, je me suis mis un peu de chantilly. On a tapé la chantilly. Alors, ouais, le chocolat est très chaud. Par contre, donc voilà, c'est ce qu'on disait, toi tu préfères ce chocolat à celui du Disneyland Hotel par exemple. Bah, moi qui n'aime pas le chocolat, c'est un chocolat au lait, donc t'as pas l'amertume du chocolat que j'aime pas. Oui, bah vous êtes sur un... Alors que l'autre c'était vraiment comme la fontaine de chocolat quoi. C'est ça. Par contre, si t'aimes le chocolat, ta mère par exemple, je pense bien qu'elle sûr. Aimerait bien là-bas. Ouais, mais moi tu vois par exemple, je préfère comme toi, je préfère celui-là quand même. Mmh. Ouais. C'est moins écœurant on va dire. Donc valeur sûre. Et maintenant, on va attaquer ça. Comment je coupe ? Est-ce qu'on coupe en deux ? Bah ouais. Hein. Bah vas-y. On va faire comme ça en moitié, je pense. Allez. Ça, il y avait rouge. Ok, c'est le champignon. Ouais. Il est trop mignon. Oh, c'est de la meringue. Oh, bah je vais te la laisser. C'est parti. Chouette, il est trop beau. La symphonie des couleurs. Il est magnifique, hein. Oh. Regarde-moi ça. Waouh. Il est beau, hein. Donc, bah là, clairement, on voit les pêches. Ça a l'air très bon. Il est très beau, en tout cas. Ça a l'air très bon. Cela dit, vraiment, venez si vous avez faim. Hein. Parce que même si c'est des petits coraux. Bah, j'ai des grandes mains, donc proportionnellement, ouais. Ouais. On voit qu'il est balèze, quand même. Bah, vas-y, goûte. T'es la première à tester. C'est bon, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Je préfère celui-là à celui de la semaine des princesses. Ah ouais ? Ah oui. Beaucoup moins écœurant. Beaucoup moins lourd. Ah, très léger. Ouais, c'est mieux. Ouais. Alors, rien à voir. Intéressant. Alors, on goûte-le parce que... Intéressant. En fait, l'abricot est super frais au milieu. Ah, c'est de la pêche ? Pêche ou abricot, ouais. Pêche. T'en as pris moins que moi, mais... T'as vu, c'est léger, hein. Super. T'as vu ? Ouais, franchement, c'est top. Ouais, en effet, beaucoup moins lourd que celui de... Ah ouais, il était violent, celui d'Aurore. Bah, ouais, en fait, par contre, c'est pas qu'il est plus... Il est pas meilleur que non, celui non, non. C'est juste que, par exemple, c'était un fraisier. Bah, celui d'Aurore, faut prendre un petit bout, quoi. Oui. Là, oui, là, on va pouvoir finir... Oui, non, je pense, ouais. Et il va partir vite. Super, bon. T'as vu ? Ouais, et en effet, la pêche est très fraîche. Moi, j'adore, hein. Validé. Ah. On va continuer, hein. Ben on va finir ça, ouais. Ah. Donc là, on a tout fini. Bon, cela dit, quand même, vaut mieux être trop. Ouais, après réflexion, là, la dose de sucre, elle est pas mal, quand même. On a pris notre temps, tranquille. Mais c'est vrai que même s'il est plus léger que celui d'Aurore, ça reste un gâteau, quoi. Je pense. Un bon gâteau épais. À 4, vous êtes tranquille. Oui. Mais c'est vrai, à 3, je pense que c'est parfait. Ouais. Tu vois, tu le divises en 3, t'es bien. Oui, clairement, ouais. Parts, Ouais, ben on va sortir dehors pour la dernière parade. On va aller voir la parade. Let's go. Bah ouais. Super.
pour la symphonie des couleurs, qui est correct et que Marjorie forcément aime beaucoup plus que moi. Mais encore une fois, attention, ne prenez pas mon avis en compte. Hein. C'est, j'ai pas dit que j'aimais pas, hein. Mais voilà. Moi, les 30 ans. Non, non, mais les 30 ans, clairement, j'étais. T'avais les larmes aux yeux, tu vois. Ouais, ouais. Alors que par contre, ça, non. Ouais. Et donc voilà. Moi, je les ai vus par contre là, tu vois. Du coup, c'est pour ça, en fait, moi, avec les 30 ans, j'avais vraiment beaucoup d'émotions. C'était. Et dès le premier truc. C'est vrai qu'on a été pris dedans. Ouais, non, vraiment. Alors que c'est là, incroyable. Là, ouais, pas autant. Là, les 30 ans, ils avaient mis la barre haute. Là, ça fait 3 fois que je le vois, 2 fois pleinement et une autre fois de loin. Et non, ça, c'est. Ouais, mais ça, c'est sympa. Non, ouais. C'est ça. Ça va pas les 30 ans, mais moi j'aime voilà. Beaucoup. Bon, et ben, en tout cas, pour la Saint-Valentin, il reste un truc à aller voir. J'espère qu'il y en aura encore dispo. Voilà, au Newport, il y a un entremets et un cocktail. Bon, le cocktail, apparemment, avec alcool, j'espère, on verra. Il y a 2 cocktails avec alcool au Skyline Bar. Désolé, on n'aime pas l'alcool, on ne pourra pas vous les tester. Non. Bon. Enfin, voilà. Bah, écoutez, on va aller au Newport tout de suite. Bah oui, on va voir si c'est disponible. Et on va voir si c'est toujours dispo. À de suite. Donc là, on est à Disney Fashion, la boutique Disney Fashion. Donc on va tester la nouvelle impression, ouais. Pascal. Donc bah là, quand j'ai vu, j'ai craqué direct. Ah bah tu m'étonnes. Tu choisis ta taille, voilà, bim. 16€ sans motif. Ouais. Et donc pour choisir le motif, il faut aller là. Alors c'était, je crois, aller dans News. Ouais. Ouais, bah... Et donc... Il est trop mignon. Et donc là, tu peux choisir un texte. Alors par contre, il est positionné, mais... Oui, non, bah c'est centré. Ouais. Et tu mets « Moi, j'ai un rêve hein. ». Donc vous pouvez choisir l'écriture hein, ici. Et la couleur. Nous, on a pris noir et écriture un peu Disney. Vous avez fait votre texte, vas-y, validez. Parfait. Voilà. Broderie, donc, tu as bien écrit tout ce qu'il faut. Non, broderie, en fait. Non, mais il n'y en a pas en ce moment, ouais. De toute façon. Ajouter au panier. Ok. Tu vas dans ton panier. Bah, oui, puis après, là-bas, là, tu payes. Bon. On va passer à la commander. Suite. Allez. Et une fois que vous avez validé avec votre adresse email tout ça, en fait, ça vous imprime un ticket et vous allez tout simplement payer en caisse. Comme ça, bah, vous pouvez avoir les remises. Oui, ça, c'est cool. Et puis, bah, j'imagine qu'une fois que tu as payé, tu vas faire ton t-shirt. Ah, on va te faire oui, ton t-shirt. Oui, ouais. Nous, en plus. Ouais. Donc là, en gros, aussi, vous avez des trucs Saint-Valentin. Franchement, c'est super joli. Chez Lego. Voilà. Donc, c'est super mignon. Énorme. Donc, des roses. Voilà, des fleurs. Okay. C'est quand même comique. Il y a plus de trucs ici que dans le parc. C'est clair. Et bah, voyez, c'est des meringues. Au Rosalie, il y a des, des cœurs Cupidon Valentine. C'est super joli. Valentine et Cupidon. Donc c'est plutôt cool. Quoi. C'est de la meringue, c'est ça hein. Ouais. À la meringue. Donc du coup, bah... Super. Oui. On a pu, on nous a proposé de faire le cocktail sans alcool. Le cocktail sans alcool. Donc, ça c'est cool. Ça va être une surprise. Ah bah du coup surprise du chef là. C'est ça. Donc là notre cocktail est en cours de création. Hâte de voir ça. Du coup il est unique pour nous. Exactement. Bon bah là du coup voilà on a reçu la totale. Donc. Du coup on a un cocktail vraiment fait maison là. Ah bah là c'est une création. Rien que pour nous. Rien que pour nous. C'est énorme, j'adore. Cocktail de la Saint-Valentin sans alcool. C'est cool ça. Bah vas-y. Alors goûte, attention. Hein. Qu'est-ce que t'en penses . T'es pas obligé de dire que c'est incroyable. Non, c'est super bon. J'adore. On peut applaudir. Non, franchement, c'est super bon. Ah ouais. T'as vu ? Ouais, non, c'est super bon. T'as vu, ouais, c'est énorme. En fait, ils ont fait, je pense, avec du jus de mûre. Mais du coup, ça a le goût de la mûre. Hein. Et c'est bien, et c'est très bien parce qu'en fait, à la base, t'as la crème de mûre. Oui. Ça, c'est alcoolisé. Du coup, ça dénature pas le cocktail, entre guillemets. Bah, bien joué. Franchement, je pense que clairement, on est sur le même cocktail, mais sans. C'est vraiment super bon. Merci beaucoup. Ah, c'est cool, hein. Tiens, mieux que je l'ai. Allez, à toi l'honneur pour une fois. Ou au pire, je le coupe en deux direct. Oui, bah vas-y. Oh, c'est tout bon. Oh, c'est bien rouge dedans. Tu m'as brisé le cul. You broke my heart. Ok, donc... C'est beau. Ok, donc là, c'est très dur. Tu vas y arriver. C'est un carnage, désolé. Non, t'es en train de te battre. Qu'en penses-tu bon. Par rapport bon, au petit entremets pas... du... Du quoi Agrabah. Je l'avais goûté, l'entremets à Agrabah. Ah.
À 6, je crois. Je préfère celui du Agrabah. Ah ouais ? Plus frais, ouais. C'est bon, mais... Ouais. Mais ça, c'est chacun ses goûts, encore une fois. Ah bah ça, oui. Par contre, si, la qualité est là. Alors, ouais. Je peux vous le dire, la qualité est là. Ça se voit, c'est de la qualité. Mais il est beau, hein. Après, peut-être comme ça, non ? Ah oui. Il y a une chacun, alors attention. Là, tu sais ce que j'aurais fait ? Ouais. Là, un truc comme ça, faudrait te mettre... plusieurs myrtilles. Une vraie fraise. Tu vois, une vraie fraise, une vraie framboise. Parce que là... ce que je viens de faire avec la myrtille. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là, c'était parfait, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, c'est il manquait ce petit côté frais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'il n'y a pas de morceaux de fruits. Ouais, je vois. Tu fais le même avec de la framboise, de la fraise, c'est une tuerie. Bah, comme écoute, quoi, des fois, voilà. Ça il manque pas grand-chose. Pas grand-chose. Cela dit, le cocktail était... Le cocktail, j'adore. Hein. Tiens, à moi. Ah oui, tu veux goûter. Oh, c'est tout moelleux. Mais tu vas voir, goûte-le sans fruits. Le sans fruits et puis j'aime beaucoup le biscuit. Ouais, c'est bon. Mais ouais, en fait ça manque de fraîcheur. Goûte avec du fruit, tu verras. Je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment pas mal. Enfin, c'est même pas ça, c'est qu'en fait avec le fruit c'est une dinguerie. C'est tu vois, c'est ouais. En fait c'est dommage. Limite faudrait presque leur demander plus de fruits en fait. En plus, ouais, ouais, ouais. Accompagnement. Non mais oui, en effet. Bon bah allez, on finit tout ça quand même, on profite un peu, hein, ouais. Ah, il faut. Donc là, on va aller récupérer le t-shirt à Marjorie. J'ai hâte de le voir. Et ah si, et comme vous avez vu sur les images, bah, dans les hôtels, il y a oui, voilà, c'est super bien décoré. Super stylé, quoi. J'étais vraiment choqué quand le j'ai vu ça. Le grand cœur, il y avait des cœurs de partout. Si on commençait à partir, je vois juste des ballons, je sais, mais regarde tout ce qu'il y a, on avance, mais il y en avait de partout. Exactement. Donc bah là on va aller récupérer, on va juste passer vite au Marvel, voir ouais. S'ils ont mis de la déco, histoire d'eux. On va aller voir au Marvel, peut-être qu'ils ont décoré. Là ça y est, on est revenu le récupérer. Il est vraiment beau. Non, c'est stylé. Enfin, je suis content. Ouais. Hâte que tu le mettes. Allez, ah bah on va ça. Pas attendre la caisse ne dure plus longtemps. Journée Saint-Valentin et symphonie des couleurs. Très bonne journée. La symphonie des couleurs. Moi j'ai pas aimé. Surtout la tombée de la nuit, bien évidemment. Bah oui. Le nouveau spectacle, on valide aussi, ouais. Surtout Marjorie, ouais. À 200%. C'est et, clair. Concernant la Saint-Valentin, est-ce qu'on vous conseille de faire la Saint-Valentin à Disney ? Non, ça vaut pas le coup. Voilà. Est-ce que c'était bien ? Oui, quand même. Oui. donc voilà. Et ben nous, on se rentre gentiment. Et on se dit à très vite. Salut. Salut.